Viens, 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 on va voir le maire. Viens, on va voir le maire. Vas-y. Mais le commissaire, un vrai hamar. Eh, mais il est tout Mais le regardez, y'a le commissaire! keypad, il est là! Mais Mais t'es ça! con ou Mais quoi? tu sais, il arrive 5 ans après! Qu'est-ce qu'il passe? Qu'est-ce qu'il passe? Putain, mais. Eh, je te jure, je le tase. Franchement, et à côté, on est les super flics à sa vie, wesh. Eh, là, Nabil, il est là. Il est là, Nabil. Attends, viens, on s'en bat les couilles, viens, on fait. Bien fait, si, on s'en bat Bonjour, les couilles. Petit capé, vous êtes appelé par monsieur le maire. Non, mais je tase le. Tu l'as tasé au calme! Attends, viens. Parce qu'il comprend rien, il m'énerve. Oh, il est bête. Attends, c'est qui m'appelle là? Je vois le maire. Bah, attendez, je l'appelle. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur handicapeur. Wallou, ouais, handicapé, c'est moi. Oui, alors, j'ai cherché votre numéro d'enregistrement. Je suis le secrétaire du maire actuellement. Monsieur le maire vous attend à la mairie. Ok, on arrive. Vous pouvez venir dans 7 ans. On est là, on arrive. Non, juste vous, monsieur, on n'a pas dit en. Juste que je Ah, mais il y a monsieur le maire, il est là. Monsieur le maire. Ah, monsieur le maire. Bonjour. Ah, il va me sauver, le maire, il va me sauver. Maire, il va me sauver. Très bien, vous. Bonjour, très bien, très bien. Bah écoutez, vous venez nous voir, non? Je peux entretenir avec vous, monsieur le maire. Avec votre autorisation, on a demandé. Oui, mais excusez-moi, j'ai des. Votre ami on a demandé un policier, on n'a pas demandé toute la brigade. Eh, par contre, j'avoue, il y a une brigade de clochards là. Je suis commissaire de ces agents. C'est qui t'a appelé, c'est avec le. Le secrétaire. Il est là. Pourquoi? Oui. Parce qu'il a dit que le maire, il voulait nous voir. Bah, vous. Allez-y, monsieur handicapé. Monsieur Tony. Mohamed. Tony, viens. Tony, viens. Monsieur, monsieur, ah. reculez. Non, reculez. Tony, tu... Monsieur, tu veuillez ressortir, je vous prie. Mais attendez, ah mais... Ouais, comme si ça. Si vous amenez quelqu'un... Bah, voilà, il a le droit, C'est bon, je vais avec Tony, lui, s'il vous plaît. Mais Tony, il est avec moi. Tony, il est avec moi. Vous m'avez appelé, monsieur Roy. Monsieur, j'ai demandé handicapper, j'ai jamais demandé... Mais c'est mon... ramène qui veut. C'est mon frère. Qui pouvait. C'est mon frère, il peut, il doit venir. Il peut ou pas, monsieur? Mais oui, je peux, mais putain, mais putain, mais couille les gens. Vas-y, mets une tarte à ça. Écoutez, Spurgeon, ouvrez la porte là. Allez-y, c'est bon, allez-y. C'est par où? Faire le tour, non? Ah, faire le tour, ok. J'ai marre de ce bléda. Bonjour, monsieur Bandor. Attends, il est où? Eh, on va te niquer. Bandor, monsieur Bandor. Eh, secrétaire, viens, je te fais un bisou, viens. Monsieur le maire? Rentre. Secrétaire, j'ai tasé le commissaire. J'ai tasé le commissaire. Oh, calme. NSNS. Eh, ma crime, elle est ouf. Sortez. Calmez-vous. Il en a marre. Rentre. Monsieur. Rentre. Monsieur, mettez-vous contre le mur. Monsieur. Parce que vous êtes un policier que vous pouvez manquer de respect au staff du maire, ok? Est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Il m'a traité. Est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Calmez-vous. Monsieur, est-ce que... verbal. Bah, on mange d'abord. Suivez-moi, s'il vous plaît. Et taxez la pizza. Voilà. C'est pas bien. Je paierai. Je paierai, monsieur le maire. Excusez-moi, pardon. Pardon, monsieur le maire. Pardon, monsieur le maire. Viens. Reste-toi sur moi, messieurs là, un peu gênant cette position. Non. Oui, monsieur le maire. Putain, allez, je vais faire NS. Pardon, monsieur le maire. NS, on fait virer le commissaire. Le commissaire, on fait virer. Ouais, on fait virer. On lui parle de la prise d'otage. Vas-y. Pardon? Pas vous, Tony, je parle à Andy. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Je vous ai soigné tout. Je vous ai soigné tout à l'heure et vous m'avez pas payé, je vous ai envoyé. Dis-lui, il y avait une prise d'otage. Il y avait une prise d'otage, je pouvais pas vous payer, il y avait urgence, je suis vraiment désolé. Il y avait une prise d'otage, monsieur. Merci, voilà, c'est ça, il y avait une prise d'otage, je pouvais pas vous payer, mais tenez, je vous paye. Maintenant et comme ça, voilà, le je le paye, je le paye. Sera putain, oh, c'était poucave, mon gars. D'accord, 700 euros, monsieur. Combien? Attends, il a dit combien? What? Quoi? Combien? Je vous ai sauvé de la mort quand même. Non mais, ok. Bloque-le. T'as dit combien là? Et en plus, il y a un peu de dégagement parce qu'on l'avait pas payé de suite. Combien? Là, ça bouge pas. Normalement, combien? Je suis dans mon bureau là. Quoi? 400 euros. Combien? Quoi? Combien? Le maire, il est mort de rire. 400, monsieur, 400, c'est ça. Vous avez donné 700 sur ce. What? Et ne faites pas, s'il vous plaît. Vous avez donné 700 sur cet homme. Il y a une porte secrète derrière le. Oui, 700, oui, voilà, 700, oui, je préfère. Tenez. 700, il a craqué, mais vas-y. Quelqu'un, je vais donner 200 qui va se faire. Dis-lui, il me reste que 5. Encore, je suis gentil, moi, je ne pas les pizzas que vous avez bouffées. Eh, monsieur, c'est 200, ça, c'est pas 400, 700. Monsieur, alors, déjà, monsieur le président, si je puis me permettre... Eh, commissaire, il fout la merde. Eh, ferme ta gueule, toi, le médecin, là. Monsieur le commissaire, monsieur le maire, s'il vous plaît, si je puis me permettre. Le commissaire parle autrement, ne connaît absolument rien
il est perdu dans sa vie. Il arrive toujours dans les, sur les prises d'otages, etc. Avec 5 ans de retard, il est perdu. On se demande pourquoi il est commissaire. Je suis vraiment désolé. Recule. Recule, c'est moi. Quoi? Vous parlez de moi en plus? 5 ans après la prise d'otage, c'est moi. Arrêtez-vous, je vous arrête. C'est moi qui vous ai prévenu de la prise d'otage. Peut-être mettre votre tête au niveau de... oui, c'est vrai, de mes... Messieurs, voilà. J'ai pas reçu mes 700 euros, s'il vous plaît. Mais ta gueule, toi, là, on s'en fout de 700 euros. S'il vous plaît, j'ai tu vas attendre, s'il te plaît. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, si je puis me permettre, oui. Le problème, alors, en fait, dans cette ville, il y a vraiment un gros souci, c'est que, en fait, la police, elle a un petit registre antillais, dans le sens où, alors, je vais m'expliquer, c'est pas que je sois raciste, loin de là, je suis antillais moi-même, mais en fait, elle arrive toujours sur le lieu du crime avec 5 ans de retard. Alors, vous pouvez demander au commissaire ici présent. On a résolu deux crises, d'accord? Des situations de crise. On a résolu une prise d'otage. Moi j'arrive en retard en prise d'otage, monsieur. On peut pas parler, monsieur le président, ouais, écoutez, on peut pas parler. J'ai une solution. Oui, monsieur. S'ils sont antillais, prenez une canne à pêche avec un bucket de KFC, vous l'accrochez, et on y court. Oh le bâtard. J'ai de l'humour, j'apprécie. Viens, on fait la bise. Monsieur le maire. Du KFC, c'est meilleur les merguez, monsieur. Vous faites des travaux, merguez. Monsieur le maire, j'aimerais vous offrir un petit truc, un petit quelque chose, monsieur le maire. Venez, monsieur le maire. Snaku. Attends, je vais donner l'argent. Ok, ok. Mais faut tous les virer, Sabi. Mais oui, je vais tous les virer. Monsieur, mais 700 euros, hein. Mais 700 euros, n'oubliez pas. Non. Il faut tous les virer, là, parce qu'il va pas accepter comme ça. Attends, je vais donner au maire directement. Plus comme ça. Attends, je vais mettre personne que vous regardez, je vais donner... Mais... voilà. Voilà, monsieur le maire. Ah! Ils sont où? Ah! L'autre cherche l'argent! Ta gueule, toi! Mais il est relou, lui! Putain, mais crâne d'œuf, casse-toi là! Putain, mais t'as quoi, c'est quoi ton problème? Monsieur, mais 700 euros, je veux. C'est bon, il t'a déjà payé 200 euros, c'est déjà pas mal! Ils sont où là? Bon, bah, parfait. Merci, monsieur l'agent. Je sais pas à qui vous êtes. Ah, il a dû faire un peu. Tiens, médecin, c'est combien? 700, tu m'as dit? Merci à vous. 2010. Ok. Je donnais 7 à ça, 7. Ah ouais, 7, nickel. Bah, il m'a dit 700, tu vois. Attends, les coups. Il est casse-couille pour 700 euros. Regarde, il est généreux, alors que c'est lui qui, normalement, lui, doit pas payer. Tiens, je vais donner 7 à ça, non, mais après, tu l'embrasses, ses chaussures. Tire-toi. Ah, tu m'as donné 7 euros, et tu m'as donné 7 euros, t'es sérieux là? Bah, c'est parfait. Ah, monsieur. Bah, non, je pense. Il manque 2 euros. Monsieur, bah vas-y, donne-lui 0 euros. Donne-lui 2 fois. Donne-lui 2 fois. Ah merde, mais c'est vrai, il bug. Ah ouais, c'est lui. Monsieur, attends. 2 fois 0 euros, ça marche. Attends. J'ai un bug de la suite. Monsieur le président. Mais c'est quoi ce gouvernement, sérieusement? Monsieur le président, est-ce qu'on peut s'entretenir seul à seul, s'il vous plaît? Avec vous et monsieur Tony. Oui. Ça bug. Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de bruit, on peut pas parler. Juste mes 700 euros. Dégage, dégage, Taras, dégage. Sors. Et on va au fond, comme ça personne nous entend, tu vois. Vas-y, ouais, ça marche. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez s'entretenir au fond de la pièce, s'il vous plaît, merci. Bah vas-y. Par contre, voilà, il faudrait que votre agent reste là-bas, c'est parfait. Alors, on aimerait... Vas-y, on lui propose quoi? On lui propose de virer le commissaire de merde, là. Il sert à rien, tu vois. Et c'est vrai, en plus, tu vois. Je vais me caler là, moi. Eh, il nous suit pas, l'autre, tu nous suis pas, wesh. Vas-y, reste là-bas. Voilà. Alors, ce que je vous propose... Non mais par contre, là, monsieur l'agent, l'homme en blanc, est-ce que vous pouvez aller là-bas? Parce qu'on aimerait vous proposer un truc au commissaire. Il est avec moi. Ok, parfait. Alors... mec, j'ai des cuisses en béton, mon gars. Vous inquiétez pas, c'est mon homme en qui j'ai jamais plus de confiance. Attends. Ok, donc ce qu'on aimerait en fait vous proposer, parce qu'en fait, il y a vraiment eu un gros scie en fait au niveau de la police, comme je vous l'ai expliqué. Le problème, c'est que la police intervient toujours avec limite 2 heures de retard, et nous sommes toujours les premiers à intervenir sur les lieux, et vu que j'ai un CAP... intervention et négociation, ça me permet tout simplement donc d'intervenir et de régler les situations au plus vite et surtout à l'amiable, au calme, au KLM. T'entends? On a déjà intervenu sur 2 prises d'otages, monsieur, et ça s'est fini en beauté, en réussite. Et c'est pas grâce à monsieur le commissaire, si vous voulez ce que je veux dire. Et monsieur, en fait, le problème, c'est que le commissaire, forcément, bénéficie de toutes les louanges et débutant. Il est débutant, quoi. On peut pas lui en vouloir. Moi, personnellement, je suis sans rien vous cacher, j'ai presque 35 ans de boîte. Et je connais vraiment tous les rouages du métier. Le métier n'a plus aucun secret pour moi, ainsi que pour mon collègue Tony ici présent. Et du coup, on aimerait avoir une petite promotion, si cela ne vous dérange pas. Vous voulez que l'un de vous deux soit nommé commissaire? Pas forcément nous,
Mais voilà, mais juste toi, mets ton si c'est possible de changer, je me commissaire, ok. C'est vrai, oui, par si la rigueur. Si vous dites que vous êtes plus performant que le commissaire, donc exactement. Je vois pas pourquoi il resterait. Voilà. Et vous, si vous êtes plus performant, je vois pas pourquoi vous mettez ton commissaire. T'as vu, je suis ton bras droit, moi. Attends, je donne l'argent, toi, je donne l'argent. Je vous aime encore mieux. On va faire un petit truc. Tenez, monsieur le maire. Dites-moi déjà quelles sont vos qualités et vos défauts par rapport à ce métier. Faut qu'il arrête de bouger. Arrêtez de bouger, monsieur le maire. Par vous, monsieur handicapé. Attends, je lui donne l'argent. Il y a un téléphone, là. Ouais, donnez le joueur. Il y a un téléphone, là. Voilà, monsieur le... Mes qualités sont celles-ci, monsieur le maire. Je vous les ai envoyées. Je suis généreux. Je vois. Et vous, avez-vous des qualités, monsieur Tony? On va envoyer d'argent, ouais, d'argent. Mille, envoyez-le. Moi, monsieur... Attendez, je cherche quelque chose. Comment je donne? En fait, tu fais F4 et tu dis, regarde, tu fais donner de l'argent aux joueurs que vous regardez. T'as donné combien? 1000, donne 1000, ou là, 2000, comme tu veux. Non, pas je comme vous ça. Ai envoyé mon CV. Ah, nickel, parfait. Très bien. Donc je vois que vous avez un CV assez équivalent quand même. 1000 euros. Même. Il se fait de l'argent. Pareil. C'est dur de choisir. Qui peut choisir? Quitte à choisir, je préfère que mon collègue handicapé soit promu commissaire et il a plus d'expérience. Deux minutes. Vous voulez que handicapé soit nommé commissaire? Ouais, écoutez, moi je serai son bras droit sur le terrain, etc. Très bien. Eh ben, je vous laisse faire une demande de licenciement auprès de... Enfin, me donner les papiers de la demande de licenciement. Parfait. Je les signerai avec plaisir. On fait comment? Tu vas dans F4, t'as servi, tu mets commissaire, je crois, c'est tout. Je peux pas. Demande en RP, alors. Demande à Michou, je sais pas. Vendre, faire une recherche de joueur, ne fait plus de rien, lancer un mandat sur un joueur. Je sais pas comment ça se passe. Travail, je sais pas. Travail. Enfin, commissaire, sous commissaire. Un gangster, trafiquant... Commissaire, ouais, c'est en bas de docteur, en bas de SDF et tout. Non, pas, je crois que vous êtes le maire... commissaire, en dessous de docteur. Ah putain, c'est qui me harcèle? Vas-y. Vous pouvez pas, commissaire, dire... Ah oui, putain, il y en a déjà. Alors, faut qu'il le vire, dis-lui de le convoquer. Est-ce que je peux vous... Monsieur le maire, est-ce que je peux vous permettre, en fait, tout simplement de... Enfin, est-ce que je peux me permettre de vous demander de le convoquer et de le renvoyer, en face à face, quoi, vu que... Enfin, comme ça, il n'y a pas d'entourloupe et il n'y a pas de... Qui demande sa démission. Très bien. Bah, je vais t'appeler tout de suite. Parfait, merci à vous. Bah, du coup, on va patienter ici. Vous avez téléphone ou pas? Attendez, je vais vous le donner. Et vous, son numéro de téléphone? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment, quand même, la radio pour l'appeler plus rapidement. Putain, il s'appelle comment, le commissaire? Putain, je sais pas comment il s'appelle. Aaron... Ah, tu veux que j'aille vérifier? C'est pas... Oh, attends, c'est pas... Aaron White, c'est ça? Aaron White, c'est pas ça? Il est là? Ouais, je crois. Vas-y, ouvre-lui. C'est... Dis-lui, Aaron Wright. Dis-lui, 855. C'est le 858. Non, le 858. Attends, je vous offre une pizza chacun. C'est cadeau. Ah, merci. On prend la pizza, ça lui prend. Ah ouais, je prends. Enfin, 858. Attends. Ah, il est là. Ah, bah. Ah, bah, il est là. Skin. Dernier footing en tant que commissaire. Donc, au calme. Aaron. Je pense que... démis de vos fonctions. Maintenant. Au calme. Mais pourquoi ça, monsieur? Ça veut dire, monsieur, attendez, est-ce que je peux parler? Ça veut dire que vous êtes influencé par deux pauvres minables policiers. Wow. Que je suis commissaire. Comment ça minable? Ça n'a aucun intérêt. Bloque. Écoutez. Comment ça minable là? On va régler ça à l'amiable. Écoutez. Il bouge plus. Très bien, allez-y. Mais placez-vous contre ce mur là, s'il vous plaît. De quoi? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas entendu. Mais comment vous parlez à monsieur le maire? Vous êtes toute malade. Il y a aucun respect. Le respect a disparu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Tu me fais me crier. Donc que... Jean, vous restez sur votre poste. Monsieur, vous bégayez dans votre voix, hein. On comprend pas très bien. Comment vous parlez là, monsieur le président? Quel manque de respect. C'est incroyable. Ah, tu crois que tu parles à ton poste? Mais bégaye un peu, je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais tu te crois même là ou quoi? C'est quoi ce délire? Non mais laisse quoi. Attends, juste une question. Tu crois que monsieur le maire c'est un Kissel là? Pardon, j'ai pas entendu. Non mais enfin tu crois que c'est ton pote monsieur le maire? Ah ouais, c'est mon pote quoi. Non mais c'est juste que vous influencez le maire alors. Non, peut-être que je me parle mieux. En plus, elle a l'air d'être qu'une celle, je te jure. Vous influencez le maire, vous êtes en train de corrompre le maire. Ça fait longtemps que t'as pas signé du mieux, quoi, toi. Ouais, mais toi, mais vas-y. Miskin. Oh putain. Pardon, vous avez parlé quelle langue?
Monsieur le maire, cette personne parle bougnoul. Bougnouli, ou je sais pas comment on appelle ça. J'aime bien parler un peu, c'est que longue. Vous traversez la table en plus, au calme. Putain. Oh mon dieu. Je croyais que monsieur le maire était avec Kestan. Si vous êtes avec Kestan, monsieur. Vous avez la raison, monsieur. Eh, Nabil, elle est emprisonnée, Nabil. Je viens, on va le libérer après. Vas-y, vas-y. Je sais pas quoi dire. En gros, t'es viré. D'accord, en fait, y'a pas de raison, monsieur. Y'a aucune raison, monsieur, en fait. Tu restes avec eux, et moi, je vais libérer Nabil. Deux minables policiers, c'est fou, ça. Écoutez, monsieur le maire, j'ai une urgence, je vous laisse avec mon collègue handicapé. On vous dit ? Attends, on va voir Nabil ensemble, parce que si tu sors, c'est suspect. Attendez, je vais venir vous voir. Sur votre sujet. Ok, attends. C'est tout. Donc maintenant, vous quittez ce job, ou sinon, vous le faire quitter par là. Et ça va être moins marrant. Vous allez me faire quitter par la force, monsieur. Allez-y. Waouh, handicapé, vas-y. T'es sûr ? Ok, je le tue. Ah ouais, je suis sûr. Ok, monsieur le maire, est-ce que je peux y aller ? Monsieur le maire, je peux y aller ? Ah, mais pour tirer ? Ah, mais... Eh, mais monsieur pas le maire. Dire, moi je croyais que c'était par... Ah, d'accord, non mais, faut se comprendre un peu dans les mots. Ah, mais... Moi, je croyais que c'était par... Ah bah oui. Monsieur le maire, par... Monsieur le maire ? Non. Ok. Non. Baisse les armes, baisse ton arme, Tony. Baissez les armes. Non. Baissez les armes, s'il vous plaît, monsieur. Je suis chaud, ça, mec, je suis chaud. Est-ce que je pourrais vous parler en privé juste une fois, s'il vous plaît, monsieur ? Non. Ils ont pu dire vous parler, j'aimerais maintenant vous parler. Parlez maintenant. Seul avec vous. Non, monsieur, j'aimerais être seul. Ils ont été seuls, j'ai respecté. Maintenant, eux, ils me respectent. Bon. On va chercher à boire, on en rend. Mais quelle langue, monsieur ? Mais je comprends pas, moi. D'accord, c'est bien, mais c'est pas grave. Je suis étranger, vas-y, moi. Allez-y, viens. Non, mais monsieur le maire, vous vous rendez compte? C'est quoi le code ici de merde? C'est pas. Ouvrez la porte, là! Ouvre la porte, Gisèle, là, ouvre la porte! Il faut venir à l'hôpital. Gisèle, c'est bouché, parce qu'ils savent pas. Désolé, j'ai pas le code, moi. Attends, il s'est mis au bac, quel code? Parce que moi, je suis. C'est quoi le code de la porte, s'il vous plaît? Je tente pas d'ici. C'est quoi le code de la porte? Attendez, j'ai envie d'ouvrir. Ok. J'ai envie d'ouvrir. Respectez votre choix, je suis parti. Ah putain. Ah, c'est un fragile. Allez, go go! Oh, tu m'as tué, ça arrive. Vas-y, ouvre la porte, putain. Putain, mais il y a 40 cartes. Ah, tu sais quoi, ça me casse les couilles. Ah, c'est bon, viens. Ah, c'est bon, j'ai pas le temps, mon gars. Faut appuyer sur un. Y'a un truc là. Ça arrive, viens. Vas-y, viens, allez, hop, c'est bon. On a pas le temps. Vas-y, go. Mais je crois qu'il est sorti, je crois, Nabil. Tu veux qu'on stoppe ou quoi? Tu veux qu'on stoppe? Tu veux qu'on stoppe, lui a dit. Vas-y. Eh, je vais descendre l'auto, il va rien comprendre. Ah, il m'a tué. J'ai craché sur le mec, au calme, sur le commissaire. J'ai craché dessus avant. Est-ce que je peux vous parler, s'il vous plaît? Non. Ah, monsieur, j'aurais une question. Excusez-moi, monsieur, mais on aimerait vous parler. Ça me bat les couilles. Sortez, s'il vous plaît, sortez. Et il a lu. Tu dis que je me suis fait. Ah, on va pas ouvrir. Il est où? À deux zap. Il est où? Il est pas là. Je me suis fait prendre en plus. C'est qui, c'est lui? Ok, sors, dépêche-toi. C'est lui? Sors. Il est pas là, Nabil? Merci, monsieur. Oh, les. Tous les poulets, tout. Mais vous avez piqué mon nid. Nabil est sorti, l'enfoiré. Vous avez piqué mon nid. Circulez, putain, circulez, quoi. Désolé. Snaku. Ouais. Nabil, il a dit de fou les poulets avant d'être libéré. Viens, on va le contrôler, ça va. Je sais pas, il est sorti. Vas-y, go. On le renvoie en taule. On le renvoie en taule, direct. Il est où? Il doit être là que je parle. Comment ça te fout les poulets? Dis-lui comment ça te fout. Il a mis un tueur à gage. Tueur à gage? Il est barré. Ouais, il a un tueur, il a, tu sais, un truc. Attends, juste de partir. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas lui. Putain. Eh ben, saute. T'es déconnecté, quoi, le con? Ciao. Putain, mais lui, il est assis sur le. Il est sérieux. Où il est? Il est devant la banque. Quelle banque? Il est où la banque? Ah, viens. Derrière. Il est devant la banque. Je vais. Oh mon dieu, putain. T'es pas il est là-bas. Il va vers Taco Bell. Viens, on va le choper. Vas-y, go. Monsieur, on vous arrête, contrôle de routine. Ah putain, c'est énorme. Salut, HPR, ça va ou quoi? Bonjour tout le monde. Bienvenue ceux qui viennent d'arriver. Désolé, je vous ai pas dit bonjour parce que c'est assez chaud. Il est où là? Il est parti où? Il est monté sur le toit, à mon avis. Ah, le malin, il est monté sur le toit. Ah, fuck. Il s'est cassé la gueule là. Ah, il est là, viens voir. Vas-y, chope. Reviens. Non, il est là, monsieur, descendez s'il vous plaît. Monsieur. C'est lui qui est en haut là. Monsieur. Ah bah voilà.
Cauchemar, voilà. Ah, il est nul. Il est nul. Ah, il est nul. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai... Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Monsieur l'agent a tiré dans cet homme. Il a tiré dans l'agent, mais cet homme est tombé, du coup, à cause de l'agent. Quel agent? Mais de quel agent parlez-vous? Quel agent? Celui-là. Ah non, 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 pardon, je ne sais plus qui c'est. Mais non, pas du tout, j'ai pas tiré. Monsieur le cuisinier, s'il vous plaît. C'est lui-là. Ah non, ça m'étonnerait, je viens d'arriver moi. Non, il vient d'arriver, on est ensemble, on est arrivé ensemble. Ah, c'est peut-être lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui là. Il a refait parce qu'il vient d'arriver lui aussi. C'est lui. Il a dénoué la tête, monsieur. Eh, j'ai entendu. Arrêtez de parler de Bougnoul là déjà, on se calme. J'ai entendu la tête de lui. C'est lui là. C'est lui. Venez ici, s'il vous plaît. Monsieur. J'ai autre chose à faire avant et. J'ai votre numéro. Mais il a un dénoué le dick. Très bien. C'est Nabil qui a dénoué le dick. Mais il est où? Il est parti, il était là, il y avait son corps. Ah, ok. Meurtre, monsieur l'agent, donc Écoutez, montrez-moi les photos alors. Montrez-moi les photos, parce que moi je viens d'arriver en fait. Ah, c'est peut-être l'agent derrière en fait. Je pense que c'est le bambou. Ça va, non, non, c'est le bambou là derrière. What? De quoi? Attends, on t'arrête toi, viens ici. Contre le mur, contre le mur, viens ici. Viens ici. Hey, c'est pas un marathon. Refus d'empérer. Les gars, aidez-moi. Tasse-le, ça va. Moi j'ai jamais dit d'acteur raciste. Mais les gars, aidez-moi putain! Moi je suis arabe donc non. Moi je suis arabe! Ouais. Et moi je suis mi-arabe, mi-noir. Il est où? Il est pas sûr. Si, j'aime les arabes, j'aime tout ce qui est chorba, tout ça, tout ça. Tiens. Alors. Nickel. Bravo messieurs. Messieurs, je suis sacrément fier de vous. Ah non, vous avez pas insulté monsieur. Bravo messieurs, je suis fier de vous. Monsieur, je suis marocain. Ah. Je suis marocain, monsieur. Vous êtes d'où du Maroc? Ça veut dire quoi marocain? Je sais pas moi, c'est quoi Maroc? Les joueurs, bien servi. Mais marocain, c'est... Vous savez pas? Alors, en fait, marocain, non, si tu veux, une ville à côté, c'est une contrée. C'est une contrée perdue, je crois. C'est une contrée perdue, quelque part. D'accord. Vous mangez des merguez? Oui. Oui, et nous portons des babouches. Katimani. Eh, attends, pareil. Monsieur, arrêtez de me pointer avec votre taser, s'il vous plaît. Ouais, tenir, range ton arme. Écoutez, arrêtez de me regarder avec votre masque bizarre, là. On dirait que vous jouez à un masque de hockey, là. On fait du hockey, monsieur, on fait du hockey, hockey sur forêt. Oui, c'est le maire. Ah, monsieur le maire. D'accord. Bonjour. Bonne journée, monsieur. Maire. Oui, donc je vous prierai de vous présenter avec votre ami à mon bureau, s'il vous plaît. On arrive. À tout de suite, monsieur le maire. Bisous. C'est bon, Elisa. Il a 2500 fonctions là. Attendez, il nous a convoqué, il faut qu'on y aille. On peut dire marocain tout ça dans le jeu, on peut dire. Ouais, c'est une ville réelle, hein. C'est censé être une ville réelle, tu vois. C'est pour ça que je dis genre, c'est une contrée. Okay. Hey, qu'est-ce que tu veux m'appeler là? Allô. Allô. Allô, monsieur. Ouais. Vous devez vous rappeler de moi, je suis le médecin qui n'a pas reçu ses 700 euros. Oh, t'es casse-couille. Oh, t'es casse-couille, ça. Qui m'a ouvert, là? C'est bon, je raccroche. Hein. Putain, mais c'est étouffé. Ok. Pardon, excusez-moi. Allez, viens, monsieur l'agent. Non, y'a pas de rendez-vous avec le maire. Circulez, s'il vous plaît. Le policier, vas-y. NS. Le médecin, il m'a appelé, là. Il m'a dit, ouais, tu sais, c'est pour 700 euros. J'arrive, je vais raccrocher, je vais dire, t'es casse-couille, toi. J'ai raccroché. Ah, il casse les couilles, le médecin, là. Il est relou. Vas-y, viens. D'accord, très bien. Entrez, monsieur. Pourquoi tu es dans la merde, ça risque quoi se dégager? Oh, attends, pourquoi il est dans ce flic là? Pourquoi il est dans ce flic? Ah, je sais pas, c'est chelou. NS, c'est chelou. On s'emboîte, technique de l'emboîtage, viens. Vas-y, viens. Non, pour votre petit différent. Là. Oui? Vous alignez devant. Non, vous allez vous aligner comme tout le monde. On est aligné. Ah, d'accord, ok, d'accord, excusez-moi. D'accord. Ah, ok. Bon. Monsieur, non, de l'autre côté. Putain. Côté, monsieur. Ok. Monsieur le maire, je vous propose de gérer le truc. Je sais déjà comment on va faire, ok? Bordel de merde. Non, j'ai envie de... Non, ça C'est bon. Oui, je le fais. Donc, attention. Ok, pas de problème. Nous allons faire un vote pour déterminer si le... Si monsieur Aaron, ici, est présent... Être viré de son poste ou non. Putain, il est sérieux. On lui a donné de l'argent, fils de chien. Le vote ne concernera pas que vous, il concernera tous les citoyens de cette ville. Elle, ça prend le but. Attends, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Monsieur le maire, vous rappelez, mon collègue, on vous a donné un gros CV. Ouais. Bien garni. Bien rempli. Avec beaucoup de lignes. Bah, le. C'est bien signé. Votre CV ne servira à rien pour l'instant. Le fils de chien. Oh le bâtard, il nous a baisé.
Arrêtez, on a des preuves sur vous. Ta gueule, toi. Commissaire, tiens, c'est cadeau. S'il vous plaît, gardez votre calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, c'était un gros moulin celui-là. S'il vous plaît. Ouais. Il m'a fait un gros moulin. Un gros moulin. Bon, allez-y, on vote. Licenciement, vas-y. Le vote a été lancé. Non. Licenciement, oui. Ah merde, oui. Merde, j'ai fait non. T'es sérieux? Ah merde. Est-ce qu'on peut relancer un vote? Ça n'a pas marché pour moi. Ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut relancer le vote? Ça n'a pas marché. Non. Bah, on verra. Bah. Fuck, j'ai mis non. Merde. Putain, il a pas été viré. Allez, voilà. Je suis désolé pour vous deux, messieurs handicapés et Tony Parker. Snakou, viens, on va voir la vie. On va buter, on va buter le maire. J'aimerais qu'on vote pour leur licenciement. Voilà, messieurs. On va abuser de la procédure, monsieur le maire. Voilà, monsieur et monsieur. Merde. Vous abusez de la procédure. Restez aligné, s'il vous plaît. Restez aligné. Écoutez-vous. Mais. Ça dans le calme. Essayez de placer. C'est par monsieur Anticlé, mais. Novi, je te laisse lancer le vote. Eh, en fait, je vais regagner la file, Mohamed. Donc, monsieur, j'attends le vote. On fait une prise d'otage ou quoi? On fait une prise d'otage? Ah, ça va être chaud. Comment? Pourquoi? Bah ici là. Non, c'est un vote. Ils sont tous armés, mec. De me faire ban direct. On se met à côté du maire, à ce moment-là, on braque. Bon. Lequel en premier veut se faire voter? Celui que vous voulez, monsieur. Non, mais monsieur le maire, est-ce qu'on peut discuter d'abord avant? Monsieur le maire, est-ce qu'on peut discuter un petit peu avant d'abord? Non, on a déjà discuté, monsieur. Monsieur le maire, donnez mon CV. Déjà discuté, monsieur. Attends, je donne beaucoup d'argent, T'as déjà assez discuté, je pense. On a déjà discuté, monsieur handicapé. Merde, non, c'est pas ce que je voulais faire. Monsieur le maire. Corruption. Oh merde. Il m'a viré, monsieur le commissaire, je vous laisse Ok, personne ne bouge, personne ne bouge. Il y en a un qui bouge là-bas. Mais attends, mais ici là, qu'est-ce qu'il fait lui? Il y en a un qui bouge là-bas, vous avez entendu ou pas? Il y en a un qui bouge, je là-bas les gars. J'ai un otage les gars. Il y a personne qui bouge. Monsieur le maire. Fais pas le coup. Monsieur le maire. Dites-leur. Écoutez-moi, monsieur le maire. Dites-leur qu'ils sortent tous. Dites-leur qu'ils sortent tous d'ici, s'il vous plaît, monsieur le maire. Allez, c'est un ordre. Sinon, je mets une balle au maire. Vous êtes fait berner, monsieur le maire. Allez, dépêchez-vous là. Sinon, je mets une balle au maire. Dépêchez-vous là. Deux imbéciles. Dépêchez-vous. Calme-toi. Snakou, t'en es où là? Qu'est-ce que tu veux, toi? Putain, mais c'est pas RP. Putain, mais non. J'ai dit que j'étais très compétent. Ils ont fait quoi? Voilà. Monsieur le maire, maintenant je vais vous parler. Mec, t'as un... Mec, j'ai un otage. Et le mec, il me tase, il vient derrière moi, il me tase. Genre, s'il te plaît. Bon. Eh, mais t'es toujours flic, toi? Mais non, Samy, il m'a rétrogradé citoyen, moi. Mais tu peux te remettre flic, hein. Non, mais vu que... Ah ouais, je peux me remettre. Bah oui, tu peux te remettre flic, hein. Vas-y, attends. Eh, viens, on fait flic ou on fait notre travail? On peut se faire notre travail, si tu veux. On peut se faire notre délire. On fait quoi? On peut faire notre délire, si tu veux. On fait Viens, on fait On fait taupe. Agent secret. Agent secret? Ouais. Mais on doit faire quoi dans l'agent secret? On doit travailler pour le maire et on doit faire la taupe, en fait, tu vois. On doit lui ramener des informations, tu vois. On peut, tu sais, infiltrer des gangs et tout comme ça. Ou bien on fait psychopathe. Psychopathe, on tue qui on veut? Ouais, psychopathe, c'est voilà. Vas-y, viens. Mais faut trouver un délire, tu vois. Viens, on fait psychopathe, viens. Vas-y, go. Je suis psychopathe. Travail. Psychopathe. Attends, c'est moi que tu parles là? Viens, on leak. Eh, t'as un problème? Ouvre là! Ouais, c'est bon. Dégage, pousse-toi, toi. Monsieur l'agent! Eh! Ching-chong, dégage, s'il te plaît, merci. Monsieur, on va éviter les propos racistes, s'il vous plaît. Eh, le respect a disparu, mon gars. Arrête, tu l'as tué? Pas les couilles à Sarbi. Il l'a tué. Caca dans ta gueule, ouais.